dernières secondes avant d'entrer sur scène. Stéphane et Maxime cherchent à évacuer la pression. Dans quelques instants, les Lensois de Desert Pocket Mouse, vainqueurs du trophée régional, vont vivre leur premier grand concert ici à Arras. Il n'y a pas d'équivalent, ouais. Pas d'équivalent, donc là vraiment, grosse bonne pression quoi. On a vu qu'il y a du monde sur la pelouse de la Green Room en montant par ici, donc là on est vraiment super contents. Let's go. Cette fois ça y est, 2 ans après la création du groupe, les deux frères sautent dans le grand bain. Une guitare, une batterie pour une demi-heure de concert, pour ceux que le patron du festival a surnommé les plaquistes français. Au même moment, sur la scène principale, décontraction pour les vieux routards de Tringerfinger. Le football, c'est déjà commencé ? La musique et le football font bon ménage, même si le groupe belge soutiendra forcément son pays demain. Petite pensée pour la France avant son match contre l'Allemagne. La France que les 3 acolytes flamands ont bien l'intention de conquérir. La question, c'est pas arriver quelque chose, mais c'est la route qui est plus importante pour nous. Voilà. Et c'est vrai que quand on joue en France, les gens aiment bien. Oui. Et peut-être ça a à voir, les Français, les gens francophones, vous avez une culture très... la variété française, on adore ça. C'est moins du rock'n'roll, mais ça c'est aussi fantastique. Après la première partie des Rolling Stones à Londres l'an dernier... Bonjour! Tringerfinger pour la 2e fois sur la scène arrageoise, histoire déjà de tester un succès grandissant.